Bonjour et bienvenue sur Floraison. On se retrouve pour aborder aujourd'hui le 7e et dernier chapitre de Patriarchy and Accumulation on a World Scale, intitulé « Perspectives féministes pour une nouvelle société ». Ce chapitre est divisé en 3 épisodes, dont voici le premier. Dans ce chapitre de clôture, Mariamis a pour objectif de répondre aux deux principales questions que son analyse exposée tout au long de Patriarchy and Accumulation on a World Scale soulève, c'est-à-dire comment sortir de cette situation et à quoi ressemblerait une société dans laquelle les femmes, la nature et les colonies ne seraient pas exploitées au nom de l'accumulation de toujours plus de richesses et d'argent. Mais avant d'y répondre, elle tient d'abord à clarifier sa position vis-à-vis du potentiel du mouvement féministe international. C'est l'occasion pour nous d'aborder en profondeur un sujet qui divise tout aussi profondément le féminisme et la notion d'identité de genre. Pour un mouvement féministe de classe moyenne. Pour rappel, les mouvements féministes occidentaux sont régulièrement accusés d'être composés uniquement de femmes éduquées appartenant à la classe moyenne. Une partie de la gauche leur reproche notamment d'avoir échoué à construire une base militante parmi les femmes de la classe ouvrière. Un certain nombre de féministes des classes moyennes se considèrent comme privilégiées, pas ou moins oppressées que les femmes des classes populaires. Lorsqu'elles discutent de l'oppression des femmes entre elles, elles sont régulièrement accusées d'élitisme et d'égocentrisme, ce qui provoque chez elles un sentiment aigu de culpabilité qui les détourne de ces discussions et réflexions. Pour elles, la priorité devient alors de faire connaître leurs droits aux femmes pauvres et de les aider à sortir de l'exploitation et de la misère, afin de les mener à une étape supérieure de libération et d'émancipation, étape où elles-mêmes se trouveraient déjà. Ce constat dressé par Mariamis trouve une incarnation actuelle. Depuis quelques années, une variation du même discours culpabilisant vis-à-vis des femmes des classes moyennes a émergé dans le courant de la gauche queer. Celles-ci auraient le privilège d'être cisgenres, c'est-à-dire que leur genre et leur sexe sont alignés, contrairement aux personnes transgenres. Cette cohérence entre sexe et genre leur donnerait accès à des privilèges tels qu'une certaine acceptation sociale, une sécurité supérieure, et une facilité à naviguer à travers les différentes étapes de la socialisation dont sont privées les personnes transgenres. Cette conception de l'identité émane du courant postmoderne, encore relativement embryonnaire dans les années 80, mais qui va largement se diffuser dans les décennies suivantes. Cela donne l'occasion à Mariamis de s'y pencher dans son ouvrage suivant, paru en 1998 et coécrit avec Veronica Benholt-Thompson, et qui s'appelle « La subsistance, une perspective écoféministe », désormais disponible en français aux éditions La Lenteur. Les autrices y mettent en garde les féministes contre l'idéologie postmoderne. Dans les années 1990, il s'agit du principal courant féministe dans les universités anglo-saxonnes. Et depuis une dizaine d'années, il est également majoritaire en France. Le concept de postmodernisme vient du philosophe français Jean-François Lyotard, qui présente une critique du concept de modernité, tel qu'il existe depuis les Lumières. Les postmodernistes remettent en cause le concept de rationalité, l'idée que les êtres humains sont des êtres responsables, guidés par la raison, et donc sujets de leur propre histoire. Dans le même mouvement, ils rejettent l'idée qu'il y a une réalité matérielle, essentielle du monde. Pour les postmodernes, il n'y a pas de réalité donnée qui puisse être comprise. Ils et elles considèrent que la réalité est construite par des discours, liés au contexte, à une époque, à un endroit. Les féministes critiquent aussi le concept de rationalité, mais leur critique, à la base, prend racine dans le mouvement des femmes et dans la lutte contre la violence patriarcale et le cadre hérité des Lumières, qui assoit la domination des hommes sur les femmes et la nature. C'est une vision ascendante que les féministes proposent, c'est-à-dire que leur vision est nourrie et construite par la réalité matérielle. La critique de la rationalité des postmodernes, en revanche, émane de la critique d'autres philosophes masculins, tels que Freud et Marx. Elle est issue d'un travail purement intellectuel, sur les concepts et les idées, pas de l'expérience matérielle de terrain. C'est une vision descendante. Pour les autrices, il s'agit d'un courant qui cherche à effacer les origines du mouvement des femmes. Cette stratégie de l'oubli se décline en 5 principes.
Premièrement, tout est en surface, en apparence. La réalité est un oignon constitué de couches d'apparence successives. Il n'y a pas d'essence sous ces apparences. Deuxièmement, tout a la même valeur. Tout peut être remis en question. Donc, rien n'a de valeur et tout est arbitraire. Troisièmement, il n'y a pas de relation entre entrée et sortie dans le processus de production. C'est-à-dire que les actions sont prises séparément, déconnectées de leur impact sur les personnes et l'environnement, tout au long du processus de production. Le postmodernisme évince de la réflexion qui dirige les processus et quels intérêts ce système maintient. Quatrièmement, les différences de classe sont oubliées. Le consumérisme homogénéise les masses et les élites au sein d'une culture globalisée. Enfin, personne ne prend position, il y a seulement une pluralité d'opinions, tout aussi valides les unes que les autres. Elles sont privées et sans conséquence. La confrontation des contradictions disparaît au profit d'un arrangement des différences. Il n'y a pas de vision et pas de stratégie. Bref, pour les postmodernistes, il n'y a pas de réalité donnée qui puisse être comprise. Le féminisme postmoderne qui émane de ce courant philosophique émerge lors de l'institutionnalisation des études sur les femmes dans les années 1980, qui vont progressivement être renommées études sur le genre, d'abord dans les universités anglo-saxonnes, puis en Europe. Les écrits théoriques des féministes postmodernes se concentrent sur la critique et le rejet de l'essentialisme. C'est sur cette notion, l'essentialisme, que se cristallisent les divisions entre féministes postmodernes et féministe radicale. L'essentialisme, qu'est-ce que c'est ? Pour les féministes postmodernes, cela rejoint ce que les féministes radicales appelaient auparavant le déterminisme biologique. Le déterminisme biologique, c'est l'idée que l'anatomie des hommes et des femmes est la cause des relations patriarcales entre les sexes. Selon cette vision, il existerait des caractéristiques féminines complémentaires des caractéristiques masculines. Par exemple, les femmes seraient naturellement plus enclines à montrer de l'empathie pour les autres et seraient donc naturellement destinées à s'occuper des enfants, des personnes vulnérables, etc. Les féministes et écoféministes radicales rejettent également, et depuis le début du mouvement des femmes, le déterminisme biologique, qui légitime les relations de domination comme naturelles et innées. Les féministes radicales souhaitent abolir les rôles de genre, ces étiquettes, stéréotypes et mécanismes sociaux qui enferment les femmes dans des rôles très limités et subalternes. Nous souhaitons que chaque femme et chaque homme puisse s'exprimer pleinement tel qu'elle ou il est, même si cette expression va à l'encontre des stéréotypes de genre, sans subir aucun jugement négatif. Nous pensons que si une fille ou un garçon se sent profondément mal à l'aise vis-à-vis du rôle qu'elle ou il pense devoir jouer en tant que fille ou en tant que garçon, ce n'est pas une manifestation de la dysphorie de genre. C'est plutôt une manifestation saine du rejet de normes sociales genrées extrêmement contraignantes et limitantes, encore plus pour les filles que pour les garçons. C'est un sujet qu'aborde la docteure Jess Taylor dans son livre Sexy But Psycho, que j'ai déjà eu l'occasion de citer au cours de cette série. Elle écrit « L'une des questions les plus controversées concernant les femmes et le genre à l'heure actuelle est le diagnostic psychiatrique des adolescentes qui souffrent de dysphorie de genre lorsqu'elles ne se conforment pas ou ne s'identifient pas à la féminité. » La NHS, la Sécurité sociale britannique, affirme clairement que la dysphorie de genre n'est pas une maladie mentale. Mais elle ignore que la dysphorie de genre est répertoriée comme trouble psychiatrique dans le DSMV, le manuel de diagnostic des troubles mentaux. En 2009, 70 enfants ont été orientés vers le service d'identité sexuelle de la clinique Tavistock & Portman pour effectuer une transition. En 2019, 2590 enfants ont été orientés vers ce même service. Ce qui est surprenant, cependant, c'est qu'en 2009, 75% des enfants étaient des garçons qui voulaient se présenter et vivre comme des filles. Mais en 2019, 70% des enfants étaient des filles qui voulaient se présenter et vivre comme des garçons. Aux États-Unis, le nombre de ceux qui s'identifient comme des personnes trans a doublé en 10 ans. En Australie, à l'hôpital de Victoria, la clientèle a augmenté de 200% en 10 ans. Le phénomène est similaire au Canada. Par exemple, le centre hospitalier pour enfants de l'Est de l'Ontario à Ottawa affirmait avoir accueilli 189 patients en 2018, contre seulement 2
il y a 10 ans. L'augmentation exponentielle du nombre de jeunes filles diagnostiquées avec des troubles psychiatriques liés au genre doit être considérée à travers le prisme de l'oppression, de la misogynie et de siècles de théories et de croyances selon lesquelles les femmes et les filles sont des versions inférieures, mentalement malades et défectueuses des hommes et des garçons. Cet argument critique est souvent absent des discussions plus larges sur le genre et la psychiatrie. Lorsque les filles grandissent dans une société misogyne qui les sexualise, les objectifie, les traumatise, les paternalise, les féminise et les diffame fréquemment, une perspective tenant compte des traumatismes soutiendrait clairement qu'il est rationnel pour les filles de vouloir échapper à la féminité et à leur corps de femme. Par conséquent, de nombreuses données suggèrent qu'une fille ou une femme qui cherche à vivre comme non-binaire ou masculine ne constitue pas un trouble psychiatrique. Ces données suggèrent toutefois que les filles sont traumatisées, qu'elles cherchent un échappatoire aux normes patriarcales qui les gouvernent, et qu'elles accordent une grande valeur au rôle non-binaire, non-féminin et pro-masculin dans les représentations. Malheureusement, plutôt qu'une prise de conscience du fait que la psychiatrie continue de nuire aux filles et aux femmes, le développement et l'utilisation de la dysphorie de genre en tant que trouble psychiatrique fait de toute déviation des rôles de genre traditionnels construits par la société une maladie mentale. Suivant ce fil conducteur, la psychiatrie a ensuite soutenu la médicalisation de ce soi-disant trouble psychiatrique en prescrivant des bloqueurs de puberté, la prise d'hormones artificielles, transsexuelles, pendant des mois et même la chirurgie esthétique. L'argument clé ici est que les filles qui souhaitent se présenter comme androgynes ou masculines éprouvent certainement une certaine détresse et dysphorie. Mais les médicaliser et les diagnostiquer avec un trouble psychiatrique qui a été publiquement réfuté ne fait que poursuivre la tradition psychiatrique de pathologisation des femmes et des filles lorsqu'elles ne se conforment pas aux idéaux conservateurs et aux rôles de genre. Ce que l'on présente aujourd'hui comme progressiste et inclusif ressemble beaucoup à la psychiatrie traditionnelle, médicalisée et misogyne d'antan. Plutôt que de soutenir les femmes et les jeunes filles à se présenter et vivre comme elles l'entendent, sans aucun engagement ou lien avec les rôles traditionnels des sexes, la psychiatrie a de nouveau pris une dimension patriarcale, en les convaincant, ainsi que le reste du monde, que le fait d'être non conforme au genre est une maladie mentale nécessitant un traitement. Cette fois-ci, comme bien d'autres fois auparavant, les professionnels au pouvoir ont considéré le traitement médical des adolescentes comme positif et indispensable, au lieu d'examiner pourquoi tant de filles cherchent à se débarrasser de leur identité de femme et des attentes liées à la féminité. Fin de citation. Mais pour les féministes postmodernes, les catégories telles que le genre, la classe, la race, etc. ne sont que des différences. Il n'existe pas de catégorie essentielle, y compris la catégorie du sexe, qui soit immuable. Pour les féministes postmodernes, hommes ou femmes sont seulement des constructions différentes des êtres humains, qui dépendent du temps, de la culture, de l'histoire, de l'espace, de la classe, de la race, de l'orientation sexuelle et de l'identité de genre. Mais pour Miss et Benold Thompson, les féministes postmodernes font plusieurs erreurs dans leur rejet complet de l'essentialisme. Premièrement, elles nient la réalité historique et matérielle des catégories sexuelles, femmes, hommes, mères, etc. Pour les postmodernes, les différences sont purement individuelles. De plus, cette approche qui considère qu'être un homme ou une femme n'est que le résultat de manipulations culturelles ne fait que répéter la vieille division dualiste et hiérarchique des Lumières. La culture, tout ce qui est fait par les humains, serait supérieur à tout ce qui est donné par la nature. Cette vision dualiste a été particulièrement encouragée par le discours anglo-saxon sur le genre, dans lequel une division a été introduite entre le sexe, supposé être uniquement biologique, et le genre, supposé être culturel. Or, sur la base de cette idéologie, les luttes pour la libération des femmes, ou pour la libération de tout autre groupe ou classe opprimée, deviennent virtuellement impossibles. Premièrement, il n'y a que des différences, et celles-ci ne sont pas perçues comme un enrichissement de la diversité, mais comme des interdits concurrents ou antagonistes. Il n'y a pas de communauté, pas de cause commune, pas d'éthique commune, pas de vision commune. Or, l'activisme politique nécessite de dépasser l'approche purement individuelle. Il est donc important que chaque femme ait un sens d'elle-même, ancré dans la réalité, et donc dans son sexe,
pour devenir politiquement active. Nous devons être capables de nous considérer comme des sujets et de considérer notre cause comme réelle, importante et faisant partie d'une perspective à long terme. Cela signifie que nous devons considérer certaines questions comme essentiellement, matériellement importantes. C'est donc logiquement que Maria Miss et Veronica Bennold-Thompson critiquent l'approche de Judith Butler, philosophe américaine et figure majeure du féminisme postmoderne et queer. Pour Judith Butler, la catégorie femme est un instrument politique, mais n'existe pas véritablement. C'est une coquille vide. Pour elle, puisque tout est relatif, un homme biologique peut se considérer comme une femme, et une femme biologique comme un homme. Ils sont donc femmes trans ou hommes trans. S'ils pensent profondément au fond d'eux-mêmes qu'ils appartiennent à l'autre sexe, c'est qu'ils y appartiennent puisque de toute façon, les catégories femmes et hommes sont uniquement construites. La frontière entre l'un et l'autre est, selon les postmodernes, purement arbitraire. Selon eux, ces catégories n'existent que par la pratique sociale, par la performance que chacun fait du rôle, féminin ou masculin, qu'il s'assigne en fonction de son sexe. C'est à chacun et chacune de s'auto-déterminer comme appartenant à l'un ou l'autre sexe, ou à aucun des deux. Les personnes qui performent le rôle de genre qui correspond à leur sexe biologique sont donc considérées comme cisgenres. C'est une vision qui nie donc le sexe biologique comme réalité matérielle, comme catégorie sociale et historique immuable, essentielle. Pour Maria Miss et Bennold-Thompson, cette vision philosophique revient à éliminer la matière et l'histoire pour les remplacer par des jeux de langage, de discours et de narration. Les autrices retracent cette vision descendante au matricide, au meurtre symbolique de la mère en tant que créatrice de la vie humaine par la théoricienne féministe Sommer Brodribb. Celle-ci rappelle l'étymologie latine de mater, qui désigne la mère, et materia, qui signifie la matière. Brodribb démontre dans son livre « Nothing Matters », une critique féministe du postmodernisme, que les créateurs de ce mouvement n'acceptaient pas que nous soyons tous nés de femmes et que nous mourons comme toutes les autres créatures. Le meurtre de la matière, cette dématérialisation, cette occultation et cette dévalorisation de nos origines a permis la séparation de la culture et de la matière, de subordonner la seconde à la première et les femmes aux hommes. Les hommes et les femmes postmodernes qui veulent s'élever dans l'ordre symbolique du patriarcat capitaliste doivent d'abord oublier qu'ils sont nés de femmes. Ce n'est qu'ensuite qu'ils peuvent se concevoir et concevoir les autres humains comme autoconstruits, comme des cyborgs ou des hybrides entre systèmes organiques et machines, comme le fait Donna Haraway, autre figure du féminisme queer. Dans le prolongement de cette philosophie, on trouve Martin Rosblatt, chef d'entreprise multimillionnaire dans l'industrie pharmaceutique et homme qui s'identifie désormais comme une femme. C'est un promoteur de longue date du concept de transidentité et aussi un fervent transhumaniste, auteur d'un livre intitulé « De transgenre à transhumain, un manifeste sur la liberté de forme » dans lequel il écrit « Le concept de base du transhumanisme est que l'homme n'a pas besoin d'un corps de chair, tout comme une femme n'a pas besoin d'un vrai vagin. L'humanité, c'est dans l'esprit, tout comme l'identité sexuelle. La liberté de genre est donc la porte d'entrée vers une liberté de forme et une explosion du potentiel humain. Il nous faut d'abord prendre conscience que nous ne sommes pas limités par notre anatomie sexuelle brute. Puis vient la prise de conscience que nous ne sommes pas du tout limités par notre anatomie. L'esprit est la substance de l'humanité. L'esprit est plus profond que la matière. » Fin de citation. Ainsi, la perspective postmoderne, queer, envisage une transcendance du corps et de la matière par la technologie et l'argent. Une transcendance qui nie les limites biologiques et matérielles humaines et planétaires et qui s'inscrit dans l'héritage d'une vision patriarcale et capitaliste. De plus, ce meurtre de la matière bannit la conscience du lien qui nous unit aux autres créatures organiques de cette planète. La conscience qu'en dépit de toutes les manipulations technologiques, la nature est d'abord quelque chose de donné et non de construit, disparaît. On reviendra plus en détail sur le rôle de ces divisions dans le prochain épisode.
la critique de l'essentialisme et de l'écoféminisme par les féministes postmodernes trouve ses racines dans ce déni de nos propres origines, d'être née d'une femme, de mère réelle et de l'ordre symbolique des mères et du corps féminin. Ce processus d'élimination des femmes en tant que mères remonte au mythe patriarcal sumérien de Marduk et Tiamat. Marduk, le fils du guerrier, doit tuer sa mère Tiamat, la souveraine de la mer et du chaos. Il doit ensuite découper son corps en morceaux et les distribuer sur toute la terre. Ces lieux, où les morceaux de Tiamat ont été enterrés, deviennent alors les centres de la nouvelle civilisation patriarcale. Ce schéma du meurtre des mères est utilisé à maintes reprises, non seulement par les hommes qui veulent s'imposer comme l'origine des choses, mais aussi par les femmes. L'idéalisme postmoderne légitime ce matricide, cette destruction des origines et des généalogies féminines, car pour ses adeptes, il n'y a de toute façon plus de réalité. Ce qui étonne les deux autrices de la subsistance, c'est aussi que les féministes postmodernes, qui accordent tant d'importance au contexte dans lequel sont produits les discours et les récits, choisissent d'ignorer précisément le contexte dans lequel le postmodernisme a été produit. En effet, son émergence coïncide avec l'essor des politiques économiques néolibérales, d'abord appliquées dans les années 80 au Royaume-Uni et aux États-Unis par Thatcher et Reagan, puis après la chute du communisme dans le monde entier. La médicalisation de la non-conformité de genre ouvre de nouveaux marchés à l'industrie médicale dans de nombreux secteurs. Entreprises pharmaceutiques, cliniques de genre, chirurgie sexuelle, chirurgie de féminisation du visage, endocrinologie, etc. Ainsi, en vue d'accroître leurs profits, les capitalistes ont tout intérêt à investir dans le mouvement des droits trans plutôt que dans le mouvement féministe. Les autrices écrivent. De toute évidence, ces universitaires postmodernes ne se rendent pas compte qu'il existe une correspondance exacte entre l'idéalisme postmoderne, son attaque contre l'essentialisme et les grands récits, son pluralisme néolibéral, son indifférence politique et le néoconservatisme. Elles ne sont pas une menace pour le capitalisme patriarcal. L'idéologie postmoderne a effectivement dépolitisé de grandes masses de gens, en particulier les jeunes, de sorte qu'ils ne sont même pas conscients du lien entre économie, politique et idéologie. Les femmes du monde entier étant les principales victimes de la politique néolibérale, il est tragique que les féministes occidentales fassent partie des porte-flambeaux d'une idéologie selon laquelle tout est permis et rien n'a d'importance. C'est une idéologie qui nourrit le pessimisme et le désespoir, qui culpabilise et désarme les femmes, à qui il est imposé de s'effacer et de se taire devant des personnes désignées comme davantage opprimées. Une telle rhétorique est profondément pernicieuse, puisqu'elle ignore le parcours de chaque femme et fait rentrer dans une catégorie étroite et stigmatisante des vies pourtant très différentes, parfois profondément marquées par la violence masculine et la violence de classe, y compris parmi la classe moyenne. La vie d'une femme et son statut social, économique, ne peut pas se résumer à une cohérence entre sexe et genre. D'autant qu'actuellement, la classe moyenne se paupérise rapidement et gravement, rendant plus précaire et plus incertaine chaque jour la vie des femmes. C'est pourquoi l'approche en forme d'addition des oppressions et la désignation des prétendus privilèges cisgenres est misogyne. Elle donne les femmes toujours perdantes et toujours en dette. Leur énergie émotionnelle, militante et mobilisatrice est à nouveau assignée au service des autres et non canalisée vers leur propre émancipation ou celle des femmes de leur classe. Les autrices ajoutent « Mais nous savons que le pessimisme et le désespoir sont des luxes que seuls peuvent se permettre ceux qui sont encore capables de se partager le butin du pillage du monde entier. Les pauvres du Sud ne sont pas pessimistes. Ils n'ont que faire de l'indifférence politique postmoderne. Leur vision de la défense et de la recréation de leur subsistance n'est pas seulement nécessaire à leur survie, elle est aussi plus réaliste et plus terre-à-terre, plus prévoyante, plus holistique, plus créative et plus humaine et écologique que l'idéalisme postmoderne. » C'est pourquoi elles invitent les femmes, et en particulier les féministes des classes moyennes, de bien garder en tête quelques éléments de compréhension et de lutte. Tout d'abord, les principaux problèmes des femmes au niveau mondial, ce ne sont pas nos différences ou nos identités, mais l'exploitation, l'oppression, la violence et le colonialisme. Nos différences sont nos richesses. Nous sommes terriennes, connectées aux autres créatures de cette planète. La liberté ne vient pas d'une forme de transcendance, mais d'ancrage dans la réalité matérielle. Nos corps sont source de force, de vitalité,
de sagesse et de savoir. Notre force vient de l'autonomie, des rapports de réciprocité, d'auto-organisation et des réseaux de solidarité, des relations de subsistance et non de profit. Nous savons que nous sommes des êtres historiques, nous sommes liés à nos mères, aux filles, nous appartenons à des généalogies de femmes. Nous refusons que les fils soient élevés dans une perspective militariste, capitaliste, misogyne. Le féminisme de la subsistance que propose Maria Miss est un féminisme radical qui envisage le changement uniquement à partir d'une transformation radicale de la société. Mais il est temps de revenir à Patriarchy and Accumulation on a World Scale. En 1986, une partie de la gauche considère que les femmes des classes moyennes, qui ont bénéficié d'une éducation dite libérale, seraient déjà libérées ou auraient les outils pour se libérer. Pourtant, comme l'a montré Maria Miss tout au long de ce livre, les violences masculines contre les femmes n'ont cessé de s'accentuer et de se propager au sein des classes moyennes, aussi bien en Inde qu'en Allemagne. Ainsi, considérer qu'éducation signifie libération constitue aux yeux de Maria Miss une erreur d'appréciation et un aveuglement répandu parmi les classes moyennes. Maria Miss affirme ainsi « Cette argumentation est un exemple du type d'aveuglement à la réalité que l'on trouve souvent chez les personnes de la classe moyenne, également dans les pays du tiers-monde. C'est aussi un exemple de l'équation économiste de la libération avec la richesse. » Contrairement à cette position, je considère qu'un mouvement féministe de la classe moyenne, tant dans les pays surdéveloppés que dans les pays sous-développés, est une nécessité historique absolue. Ainsi, comme dit plus tôt, l'exploitation et l'oppression patriarcale, le harcèlement et la violence sexuelle sont aussi répandus dans les classes moyennes que dans les autres classes. Mais Maria Miss va plus loin. Elle avance l'hypothèse que les femmes des classes moyennes sont en réalité davantage désarmées face au patriarcat que les femmes pauvres. Elle explique ainsi. Elles, les femmes de la classe moyenne, sont censées être des femmes protégées, protégées par les hommes de leur famille. Par conséquent, elles n'ont pas appris à se déplacer librement ou et à se défendre lorsqu'elles sont attaquées. De plus, ce sont des femmes au foyer dites privilégiées, ce qui signifie qu'elles sont isolées dans leur maison et qu'elles n'ont pratiquement aucun réseau social d'autres femmes ou hommes pour les soutenir. Elles sont tellement autosuffisantes en tout qu'elles n'ont pas besoin d'emprunter à leurs amis et voisins. Tout cela les rend beaucoup plus vulnérables à l'oppression patriarcale que les femmes de la classe ouvrière ou les femmes rurales qui vivent et travaillent généralement encore dans un contexte collectif, du moins dans les pays du tiers-monde. De plus, l'éducation que ces femmes ont reçue ne les a absolument pas préparées à se battre contre l'oppression masculine. Les vertus enseignées aux filles dans toutes les institutions éducatives, y compris la famille, sont telles que la fille perd toute autonomie, tout courage et toute indépendance de pensée et d'action. Cette préparation à la domesticité peut être complétée par un certain type de formation professionnelle, mais n'est pas fondamentalement modifiée. L'exemple que donne ensuite Maria Miss sur les cours d'économie domestique enseignés aux filles dans les collèges et lycées pourrait paraître anachronique aujourd'hui. Pourtant, si la forme a changé, le fond évolue peu. Les adolescentes, en particulier celles des classes populaires et rurales, continuent d'être orientées en masse vers les métiers du soin et du care dès l'âge de 13 ans. Les médias continuent quant à eux de véhiculer l'image de l'amour romantique. Et même si les histoires gays et lesbiennes sont plus visibles qu'il y a 30 ans, l'injonction à l'accouplement hétérosexuel ne faiblit pas, mais c'est plutôt renforcé. L'arrivée massive de la pornographie via Internet à partir de la fin des années 90 a accentué et propagé la déshumanisation des femmes et renforcé les rôles sexuels attribués à chaque sexe, notamment la passivité et la soumission des femmes au désir masculin. Bref, la formation des femmes à la domesticité continue non seulement d'être puissamment exercée sur la majorité des femmes de nos sociétés, mais est aussi promue comme une vision progressiste. Maria Miss poursuit ainsi sa réflexion sur les prétendus privilèges des femmes des classes moyennes.
les privilèges des femmes de la classe moyenne ne consistent pas seulement à ce qu'elles soient domestiquées, isolées, dépendantes d'un homme, entravées et affaiblies sur le plan émotionnel, et liées à une idéologie qui les objective totalement. Tout cela s'ajoute au fait qu'en tant que femmes au foyer, elles doivent dépenser l'argent gagné par leur mari. Elles sont devenues, du moins dans les zones urbaines, les principales agentes de la consommation domestique, qui fournissent le marché nécessaire aux marchandises produites. C'est cette classe de femmes qui, dans une large mesure, est le sujet et l'objet du consumérisme. En Occident, il est courant que les femmes compensent leurs nombreuses frustrations en faisant du shopping. Mais les femmes de la classe moyenne urbaine des pays pauvres, les femmes africaines, asiatiques ou latino-américaines, suivent plus ou moins le même style de vie et le même modèle de consommation. Un coup d'œil aux magazines féminins africains et indiens suffit à montrer comment les femmes de la classe moyenne sont mobilisées en tant que consommatrices. Les capitalistes nationaux et internationaux ont tout intérêt à maintenir et à diffuser cette image de la femme et le modèle de consommation qui l'accompagne comme symbole de progrès. Où les entreprises nationales et multinationales vendraient-elles leurs produits cosmétiques, leurs détergents, leurs savons, leurs fibres synthétiques, leurs plastiques, leurs fast-food, leurs aliments pour bébés, leurs poudres de lait, leurs pilules, si les femmes de la classe moyenne ne les achetaient pas? C'est ce qui amène Mariamis à dire qu'être une femme de la classe moyenne ou une femme au foyer n'est pas un privilège, mais un désastre. Cette analyse de la situation des femmes de la classe moyenne me paraît très pertinente, mais je pense qu'il faut l'utiliser et l'appliquer sur la réalité actuelle avec précaution. Ce que Mariamis décrit, la solitude, l'isolement, la préparation à la domesticité, ne s'applique plus à mon sens uniquement aux femmes de la classe moyenne, au sens traditionnel du terme, mais également aux femmes des classes les plus populaires ou les classes moyennes basses en voie de paupérisation. La pression qu'exerce actuellement le capitalisme sur les classes moyennes et pauvres tend à brouiller les lignes de démarcation entre les classes. De plus, l'éducation et le formatage sexiste et capitaliste ont effectivement amené une grande partie des femmes pauvres et des classes moyennes à entrer dans le modèle de la femme au foyer, même si elles ont continué à travailler à côté. Ce modèle a donc effectivement détruit un certain nombre de fonctionnements solidaires et de mécanismes de résistance au patriarcat entre femmes, même au sein des classes les plus pauvres, en particulier en Occident. Bref, l'approche de Mariamis est une analyse sociologique féministe et non une formule mathématique à appliquer uniformément à la réalité. Face à ce backlash, c'est-à-dire ces représailles patriarcales et capitalistes qui enferment chaque jour un peu plus les femmes dans des destins étroits et malheureux, les voix d'un certain nombre de féministes s'élèvent. Celles-ci ont réalisé que le consumérisme est la drogue par laquelle les femmes et les hommes en viennent à accepter des conditions de vie inhumaines et destructrices. Mariamis s'écrit « Les nouveaux besoins créés par l'industrie dans son effort désespéré pour maintenir le modèle de croissance sont tous de l'ordre de la dépendance. La satisfaction de ces addictions ne contribue pas à davantage de bonheur et d'épanouissement humain, mais à plus de destruction de l'essence humaine. » Elle ajoute un peu plus loin. Il est évident que c'est la surabondance même des produits de base et le paradigme qui sous-tend cette surproduction qui détruisent l'environnement ainsi que la vie et le bonheur des êtres humains. De plus, la haine sadique et cynique des femmes de toute la civilisation capitaliste patriarcale est aujourd'hui si ouvertement démontrée que les féministes ne peuvent plus avoir l'illusion que la libération des femmes sera possible dans le contexte de ce paradigme social. C'est la raison pour laquelle Mariamis appelle à la constitution d'un solide mouvement de féministes de la classe moyenne. Celui-ci devrait notamment critiquer les mythes patriarcaux traditionnels, mais également ceux répandus par les médias, dont celui de la femme au foyer comme objectif progressiste et émancipateur. Cette perspective est sans utilité pour les femmes pauvres, parce qu'elle ne peut accomplir aucune des fausses promesses de sécurité et de confort que véhiculent les récits hollywoodiens et un certain nombre de féministes libérales. Mariamis met également en garde contre l'aveuglement que produisent ces faux idéaux chez les femmes des classes moyennes, vis-à-vis des communautés vues comme arriérées. Elle écrit « Il peut y avoir des éléments d'une tradition qui n'a pas encore été totalement absorbée par le patriarcat, des vestiges de traditions matriarcales ou matrilinéaires, ou encore des poches de pouvoir des femmes qui peuvent provenir de leur mode de vie et de travail encore communautaire et collectif, voire de leur longue tradition de résistance à l'oppression masculine, de classe et coloniale. Un mouvement féministe de la classe moyenne pourrait puiser force, inspiration et conseils dans l'histoire et la culture de ces femmes dites primitives. » C'est d'autant plus urgent et nécessaire que le mythe de l'homme comme chef de famille
Ce soleil autour duquel les femmes de la classe moyenne se déplacent comme une planète est en train d'exploser rapidement. Il est de plus en plus évident que le mariage et la famille ne sont plus une assurance vie économique pour les femmes, qu'un nombre croissant d'hommes fuient la responsabilité des femmes et des enfants, y compris dans les classes moyennes éduquées. Par conséquent, les femmes de la classe moyenne feraient bien d'aller voir leurs sœurs plus pauvres et d'apprendre d'elles comment survivre dans ces circonstances, et comment survivre avec dignité. Fin de la citation et fin de l'épisode 11. Merci pour votre écoute et n'hésitez pas à partager, à parler de ce podcast autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de soutenir notre travail. On a bien conscience que les sujets abordés dans cet épisode peuvent créer des interrogations et peut-être aussi de l'indignation. Alors pour info, vous pouvez vous rendre sur le site de Floraison, sur la page de ce podcast, on vous met des liens et des ressources à aller lire pour compléter ce qui a été dit ici. Et puis on se donne rendez-vous rapidement pour imaginer avec Maria Miss ce que pourrait être la vision d'une nouvelle société féministe. À bientôt sur Floraison.